Spongebob, c'est un grand groupe qui regroupe plein d'espèces qui ont parfois un nom de genre et d'espèces différentes. Ça, par exemple, c'est des polypores. C'est-à-dire que polypores, ça veut dire beaucoup de pores. Pores comme les pores de votre peau, les petits trous pour respirer, hein, que par où votre peau respire ou transpire. Eh bien, c'est polypores. Alors, il y en a les pieds, voilà des polypores, hein, vous voyez, c'est pas triste. Hein. Il y en a des grands, il y en a des sous-coutins, toujours lignicoles, donc poussant sous le bois mort. Alors, il y en a qui sont coriaces, qui durent comme du bois. Hein, donc, le bois, c'est toujours fort. S'appelle la lépiote des guenilles et une caractéristique c'est la couleur rouge safran du pied et de la chair. Elle est comestible mais certaines personnes la supportent mal. Ceci. Par contre la lépiote élevée qu'on appelle coulemel en France se mange, le chapeau uniquement. Et alors le chapeau est toujours pelucheux, hein, couvert d'écailles assez douces et un anneau qui coulisse sur le pied. Malheureusement l'anneau ici est dans un état lamentable. Ça ressemble à un grand parasol. Elles peuvent être très grandes parfois. Inféodé ou Pessière. Pessière, bord des chemins, sol riche en composés azotés parfois.